Comment ça va, Jacob? Bien. Bien? Jacob, qu'est-ce que tu veux être plus tard, toi? Elvis. Pourquoi est-ce que tu veux être Elvis? Parce que ça me tente que toutes les filles tombent à terre. T'as une blonde qui s'appelle Sophie? Oui, Sophie Beauregard. Oh, wow. Ça fait combien de temps que vous êtes partenaire de vie? Un an. Un an? Vous discutez d'avenir, Sophie et toi? Qu'est-ce que vous allez faire plus tard ensemble? Mm-hmm. Hein? Oui. Oui? Allez-vous vous marier, par exemple? Vous pensez à ça? Oui. Oui? Quel âge, à peu près, vous allez vous marier? 30. 30 ans. Vous allez vous connaître comme faux, je pense. Mais maman, il avait pas décidé avant de se marier plus jeune que ça? Oui, il avait décidé avant les fêtes. Il m'a dit, maman, il dit, moi, là, je veux me marier à 13 ans, puis je veux 6 bébés. Ben j'ai dit, c'est bien de valeur, mais on se marie pas à 13 ans, on se marie à 18 ans. Ah ouais? Il dit, occupe-toi de ta vie, je vais m'occuper de la mienne. Ah bon. Qu'est-ce que tu vas me chanter? La chanson « Tu m'aimes-tu » de... Marc-André Fortin. Oui. Marc-André qui fait une très belle interprétation de cette chanson-là. Hein? Mm-hmm. Elle avait été écrite par Richard Desjardins. De quoi ça parle, cette chanson-là? Ça parle de quoi? Ça parle d'une fille qu'elle aime, il aime beaucoup, mais il veut y dire un mot encore. Oui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a peur qui arrive? Qu'il casse avec. Ah, ouais. Donc, il lui demande « Tu m'aimes-tu? » Oui. On va t'écouter, Jacob. Alors, allez chercher des Kleenex, là. Non, je suis sérieux. Voici Jacob qui nous chante « Tu m'aimes-tu? » Ton dos parfait comme un désert quand la tempête est passée sur nos corps. Toi, tu dors comme un trésor au fond de la mer. J'suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser. On va aller voir le vote, les amis. Le vote, le vote. On va voir le vote. Le vote, Ève, le vote. Un 9, un 10, un 10, un 10. Tiens, Jacob. Bravo. Bravo, Jacob. Merci. Est-ce que tu dis aux gens de rester là? Restez là. Oui, Audrey, Marc-André, ça vient de chanter The Prayer ici à l'École des femmes.